Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je continue mon coloriage que j'ai commencé hier. Alors aujourd'hui, j'ai habillé mon personnage dans le coloriage. Voilà, je lui ai fait sa robe, enfin le corsage, puisqu'on ne voit que le haut du personnage. Donc je l'ai fait avec les crayons de couleur Castel Art Supply. Voilà. Donc, je vous mets en barre d'infos tous les numéros de crayons dont je me suis servi pour faire ce coloriage hein, d'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui. Et je me suis servi donc de l'essence sans odeur. Voilà. Pour lisser mes couleurs. Voilà. Alors, au début, je ne sais pas comment je fais mon compte, mais bon, j'étais enthousiaste. Et puis, j'étais avec mon tampon, je sais pas pourquoi, j'ai pu penser qu'il fallait y aller en douceur avec mon coton-tige pour mettre de l'essence sur mon tampon. J'en ai mis trop. Donc, vous verrez qu'au début, ben, je mets trop d'essence. Mais bon. C'est pas grave, ça n'avait aucune incidence sur mon dessin puisque ça sèche très vite. Et donc après, j'ai tout de suite remis ma deuxième couleur au-dessus. J'ai pu refaire de l'essence encore au-dessus. Voilà, on voit rien, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Bon, ça arrive, hein, des fois, c'est les aléas. Alors, je vous remets aussi en barre d'infos donc les produits dont je me suis servi aujourd'hui. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, ben, vous pourrez les trouver directement. Là, maintenant, il me reste à faire. Alors, le petit oiseau en métal et tout le fond. Alors, pour le fond, je réfléchis si je le fais en aquarelle. Ou si je continue à le faire en crayon de couleur, je ne sais pas encore. J'ai peut-être envie de le faire en aquarelle pour qu'il y ait que le fond soit plus doux que le personnage, que le personnage soit mis bien en avant. Donc on verra. Je verrai, je vais réfléchir à la question et je verrai ce que je vais faire. Oh, il fait froid dans l'atelier aujourd'hui. Ah oui, petit message personnel alors, Claudine08, voilà. Si tu passes par là, Claudine08, envoie-moi un message. Alors, par email ou par mon Facebook, si tu l'as, je ne sais plus si tu as mon Facebook. Parce que je t'ai marqué un message dans des commentaires, mais je pense que tu ne l'as pas vu. Si tu veux bien m'envoyer un petit message donc par email ou sur mon Facebook pour que je puisse te dire ce que je dois te dire. Rien de méchant, au contraire, c'est que du gentil. Voilà. Parce que je t'avais mis dans les commentaires, mais tu n'as pas dû le voir. Donc voilà. Donc si tu peux m'envoyer un message, comme ça je t'explique. Voilà. Au moins là, le message va passer. Merci Claudine. Voilà, c'était mon petit message perso en même temps. Donc sinon, bah, rien de nouveau. Je vais voir si je termine ce dessin demain ou après-demain. Je verrai. Je verrai ça. J'ai eu des nouvelles de la boutique pour le meuble. Vous savez où j'ai un problème avec le tiroir. Super service après-vente, enfin pour l'instant, hein. il me renvoie, il me mettait à l'envoi immédiatement un nouveau tiroir, donc c'est super. Donc voilà, très bon service après-vente cette boutique. Je suis contente. Comme ça, je vais pouvoir finir. On va pouvoir finir le meuble de Chouchou. Il va pouvoir finir de ranger. En parlant coloriage, n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours pour le coloriage
Et en même temps, il y a toujours le concours aussi pour le Diamond Painting. Celui-là se termine à la Saint-Valentin. Et celui pour le coloriage se terminera une semaine après la Saint-Valentin. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore participé, allez-y, en courant. Voilà, allez, je vous laisse visionner cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas en commentaire. Puis moi, je vous y répondrai, hein, comme d'habitude. Hein, vous savez que je réponds à tous les commentaires. Rien que je réponds à tous les commentaires, même si ce n'est qu'un bonjour, merci, gros bisous. Mais au moins, vous avez vu que j'ai lu vos commentaires et je tiens à mettre toujours une petite phrase pour vous montrer que j'ai lu vos commentaires. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je l'ai dit à l'envers, mais ça fait rien. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.